Les pétards et feux d'artifice étaient au rendez-vous pour illuminer le ciel des deux plateaux vallons. La maison Palmier est désormais classée hôtel 5 étoiles dans le paysage touristique de sublime Côte d'Ivoire. Une cérémonie de pose de panonceau par le ministre du Tourisme Siandou Fofana a eu lieu mardi 14 mars 2023 dans les locaux de l'établissement. C'est un message de satisfaction, de bonheur, de joie et en même temps de félicitations à l'égard des investisseurs et promoteurs de ce bel ouvrage que nous venons d'inaugurer. Et le gouvernement ne peut que se réjouir de telles réalisations sur le territoire ivoirien et précisément dans la belle et coquette cité de Cocody. Ça vient enrichir l'offre hôtelière et c'est le tourisme qui se sent bonifié. Et dans de telles conditions, nous ne pouvons que nous réjouir. Cet hôtel vient pour enrichir l'offre, mais surtout hisser notre pays au rang d'une destination mature grâce à de telles réalisations. Et chapeau aux investisseurs, M. Gandou qui est à nos côtés. Et tout d'abord, je voudrais remercier les autorités ivoiriennes et en particulier M. le ministre qui nous a beaucoup aidés dans l'avancement de ce projet, qui nous a facilité, comme il a voulu si bien le dire, toutes les démarches administratives, sécuritaires pour pouvoir justement investir sereinement en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est mon pays, c'est le pays de ma famille, c'est le pays de la famille Gandour. Nous sommes très fiers d'apporter ce premier projet d'envergure en Côte d'Ivoire. La maison Palmier dispose de 74 chambres pour lesquelles la designer sénégalaise Aïssa Dion a fait une sélection de textiles, de tapis personnalisés et de meubles sur mesure. La marque hôtelière compte 300 établissements dans le monde et Abidjan habite le premier en Afrique de l'Ouest et du Centre. Les panonceaux, en fonction du niveau des prestations qualitatives d'hébergement, de gastronomie et autres commodités, sont apposés au fronton de chaque établissement.